Coucou la team, j'espère que vous allez tous et toutes bien. Donc là, je recommence ma vidéo parce que moi je bafouille et au moment où je bafouille, il y a ma chienne qui vient de lancer un roux, je vous dis même pas comment. Oh, pff, super. Donc je viens de recommencer. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour un mini haul Action Noz. Donc ce matin, je suis passée à Action voir si je retrouvais en fait les kits de papier, vous savez, avec les licornes et tout ça. Et en fait, il n'y en avait plus. J'ai pas trouvé que ce soit licorne ou les autres, il n'y avait pas. Alors, je suis désolée, il y a le contre-jour. Je vais me mettre comme ça, peut-être. Mais bon, j'ai trouvé deux, trois petits trucs nouveaux. Donc, je voulais vous montrer ça. Et voilà. Alors, donc, j'ai pris. Je commence à prendre en fait des petites choses, vous savez, pour Pâques. Parce que, voilà. Donc, là, en ce moment, là, ils sont à 79 centimes, ceux-là. Donc, je prends un double parce que c'est pour Elia et ma nièce en même temps. J'aurais pris des petits chamallows comme ça. Je trouvais sympa aussi, avec le petit lapin dans des petites boîtes en plastique. Puis ça change aussi du chocolat, parce que c'est vrai qu'à chaque fois, chocolat, chocolat. Voilà, donc j'ai un contre-jour de fou. Je suis désolée, j'essaie de me bouger. Et je leur ai pris aussi, voilà, des petits Smarties comme ça. Alors, ça, c'était 79 centimes aussi. Et alors, les petits Smarties, ils étaient à 99 centimes. Voilà, si je me rappelle bien. Donc, franchement, ça fait pas cher quand on voit les prix que pratique Carrefour et tout ça au niveau de Pâques. Voilà, ce que je disais à ma mère hier. Après, je me suis pris, là, c'est en promo en ce moment, un plaid. Parce que le mien de l'année dernière, il commence à être mort. Et celui-là, il est doux. Et le mien, il est plus doux. Puis avec la chienne qui va dessus et tout ça. Alors, j'ai hésité. Je voulais le prendre noir au départ. Parce que c'est vrai que ça faisait plus classe. Et après, je me suis dit, avec les poils de chien, voilà, ça risque d'être pas top. Donc, je l'ai pris un peu rouge bordeaux, comme ça va très bien. Et puis, bon, voilà. Parce que moi, sans plaid, sur le canapé, c'est pas possible. Donc, 4,99 pour le plaid, franchement, ça va. Je trouve que ça fait pas cher. Et il fait 150 par 200. Donc, limite, on peut se mettre à deux dessous. Et alors, quand on est avec Elia, qu'on se le partage, ça va très bien. Et j'en avais acheté un l'année dernière dans le même style. Je l'ai passé 50 millions de fois en machine. Et le truc, bon, maintenant il est moins doux, bien sûr, mais il a tenu le choc, nickel. Voilà. Alors, après, je cherchais aussi ce que Fabi de France a montré hier. Et du coup, j'ai pas trouvé en fait. Donc, le deuxième Smarties, c'est des livres de coloriage. Mais photo, et c'est noir et blanc, et j'ai trouvé les images super belles, mais j'ai pas trouvé chez moi, donc j'ai pris en fait ça. Donc c'est du papier pareil, donc c'est des posters en fait, ils marquent des posters, donc c'est un peu le bon, c'est pas le même style hein. Après, au niveau, ils font pas être brillants en fait, comme ceux de Fabi, mais voilà, ça fait, je trouve, des jolies petites cartes et ça peut faire des jolies. Des jolies choses en fait. La dernière fois, j'avais déjà hésité à en prendre, et quand j'ai vu ce que Fabi hier a fait en créa, après je me suis dit ce matin, tiens, je vais en prendre. Et comme par hasard, on les prend pas à l'avance, et moi il restait plus qu'un kit comme ça. Alors que la dernière fois, il y en avait plusieurs, donc j'ai pris le dernier qu'il y avait. Vous voyez, ça fait des belles images. Je trouve que ça fait sympa. Donc il y a ces tailles là à l'intérieur. Et alors ça vaut 99 centimes. Donc je sais pas si vous avez vu le nombre de cartes. Donc là on a un grand éléphant. Là on a des montagnes. Et ma copse regarde un zèbre si tu le veux. Les pour Laetitia, je parle de chat et nono, elle se reconnaîtra. Et après il y a des lettres comme ça. Et un léopard. Il n'y a pas de tigre pour Elia. Donc, mais bon, ça fait des posters, mais après, je pense qu'on peut s'en servir. Bon, les grands posters, peut-être moins, mais les petits papiers, bon, pour 99 centimes, j'arriverai bien à trouver, à faire quelque chose. Donc, voilà. Donc, le kit se présente comme ceci et comme ça. Donc, voilà, on a des 10 par 15, des 13 par 18, et après, c'est des formes A4. Il n'y a pas écrit, il y en a 1, 2, 3, 4, 5. Il y a 6, 10 par 15, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 13 par 18 et 5 par en A4. Voilà. J'ai enfin trouvé. Alors je sais, on me les envoie aujourd'hui. Donc c'est pas grave. Alors j'ai les chats. Il y avait les papillons, il y avait le reste, mais j'ai pas voulu.
et j'ai trouvé les licornes. Donc, il y en avait plusieurs ce matin, donc j'ai hésité parce que je ne sais pas qui trouve ou qui trouve pas. Donc, j'y retournerai. Donc, si vous voyez ma vidéo pour Evency Scrap, alors je sais qu'on m'en envoie un aujourd'hui normalement. Donc, Evency, si tu ne l'as pas trouvé et que moi je reçois celui-là, ben, il est pour toi parce que je te l'avais dit que si je le trouvais, ben, je t'en prendrais un. Donc, c'est pour ça que je l'ai pris quand même. Et voilà, et je sais plus qui c'est qu'on cherche aussi des licornes. Il y a Rose Coco Bonbon. Je ne sais pas si tu auras ma vidéo, mais si tu veux, parce que moi il y en avait plein ce matin, si tu en vois un, tu me le dis aussi. Donc voilà. Mais normalement, on m'en envoie un parce que la fille, elle avait pris en double. Et par contre, je n'ai pas trouvé tes papiers. Donc je vais te bipper tout à l'heure pour savoir ce que tu veux en échange de ça. Parce que du coup, j'ai rien trouvé de nouveau. Donc voilà, faut qu'on envoie ça à un MP. Mais donc, Bérangère. Je t'en ai pris un au cas où. Parce que ma chérie en a trouvé un ce matin, m'a dit aussi. Donc, j'ai pas besoin de le garder. Alors, voilà, ça va être fini pour le haul action. Mais j'ai trouvé en fait ça. Donc, ce sont des kits. Ça va bon, ouais. Donc, j'en ai pris deux. Moi, j'ai pris en rose et j'ai pris en bleu. Après, il y avait couleur craft un peu marron, vous voyez, comme ça. Alors, apparemment, c'est des kits. Alors, ça vaut. C'est des journal kits, voilà. 2,39 €. Donc, à l'intérieur, on a des plaques en bois, on a des feuilles. On va ouvrir ça ensemble. Et donc, ça, c'est pour faire apparemment la page. Enfin, le papier pour refaire la page. Mais on n'est pas obligé d'utiliser celui-là. J'ai trouvé ça sympa pour justement faire un album. Alors à l'intérieur, on a 12 feuilles, on a 3 planches de stickers. On a 2 planches en bois. Alors, donc le kit se présente comme ça. Alors, on a 2 planches en bois. Donc j'ai trouvé ça sympa parce que après on met le papier qu'on veut et on fait notre album en fait comme on veut. Donc voilà. Il y a tout à l'intérieur. Alors, bon, là, ils nous ont mis de la peinture avec un pinceau. Voilà, un petit truc de paillettes. Mais bon, comme je vous ai déjà dit, ces pinceaux, ces peintures, c'est pas la joie. Et après, donc, on a ça. Moi, j'ai trouvé ça plutôt sympathique. Je voulais vous montrer surtout ça, en fait, que j'avais trouvé. Alors, on a une bande comme ça. Donc, c'est un élastique. Donc, comme on peut voir sur la page de présentation, c'est pour fermer. Eux, ils l'utilisent sûrement pour fermer l'album. Voilà. Après, à l'intérieur, on a des petits carrés 3D comme ça. Et alors, moi, j'ai trouvé ça sympa parce que vraiment, on peut faire un petit album. Alors, on a donc 12 feuilles, c'est ça que je vous ai dit tout à l'heure, je suis désolée. Ouais, 12 feuilles blanches, comme ceci, donc qui sont déjà perforées et qu'on n'a plus qu'à décorer. Et au niveau du grammage, je ne pourrais pas vous dire, mais bon, elles sont assez épaisses quand même. Voilà, donc on en a 12 qu'on peut décorer. Ou alors, après, on prend du papier déjà décoré et qu'on perfore tout simplement. Après, on a des die cuts comme ceci. Alors après c'est toujours pareil, on n'est pas obligé de suivre en fait leur déco hein, parce que après il n'y a que 2 planches de die cut, non 3, il y a celui-ci, après ça on peut les utiliser pour autre chose. L'appareil photo il est sympa là, même ça là le truc de film et tout, j'aime bien, sympa, donc il y a ça à l'intérieur. Et après, donc, on a les 2 pages qui servent de couverture à l'album qu'on colle directement sur les planches en bois. Et avec, donc, il y a les 2 anneaux. Voilà. Hop là, je peux y arriver. Donc, ce kit, je l'ai vraiment trouvé sympathique pour pouvoir créer un album. Donc, je vais tester ça. Mais bon, moi, je ne vais pas utiliser ce qu'ils ont à l'intérieur. Je vais faire avec mes trucs à moi. Et ça peut être sympa. Donc ça vaut, je vous ai dit, 2,39 €, 2,40 € quoi. Et ben, moi je trouve que le prix ça va. Et donc du coup à l'intérieur, voilà, c'est surtout les 2 planches en bois. On a les 2 anneaux. Bon après on n'est pas obligé de se servir de cet élastique là. Mais moi j'ai trouvé ça plutôt pas mal. Pour le prix.
Donc il y avait trois modèles. Moi, je vous ai dit, j'en ai pris deux. Donc il y a le rose comme ceci. Après, il y en a un genre craft. Mais moi, de toute façon, après, j'aurais pu prendre deux roses, deux bleus, hein, vu que je ne vais pas me servir en fait. Mais bon, je me suis dit, si un jour je veux me servir du papier qui est là, autant que je prenne un papier que j'aime bien aussi, quoi. Et après, il y a le bleu qui est dans ce style-là. Et après, au niveau des stickers, enfin des die cuts, vous voyez, c'est pas les mêmes que le rose. Voilà. Donc voilà pour Action. Donc j'ai pas trouvé grand-chose, il n'y avait rien de nouveau. Mais je suis super contente parce que voilà, j'ai trouvé ça aussi. Et puis voilà. Après, je suis allée à Noz. À Noz, à rien. Mais quand je vous dis à rien, je sais pourquoi j'y allais plus. J'ai pris un petit peu de nourriture. Il y en a, je ne vais pas vous montrer parce que c'est au congélateur. Mais franchement, au niveau scrap et tout, j'ai rien trouvé. Par contre, ça, j'ai pas rangé encore ce que je voulais vous montrer. Donc, j'ai trouvé les céréales comme ça. Moi, j'en mange beaucoup, Elia aussi. Et l'autre fois, on a pris de la sous-marque à Carrefour avec Elia. Et on a payé le paquet 2,40 € je crois. Et noix de coco comme ça. Donc, c'est des crueslis. Et là, 1,49 € le paquet. En sachant que c'est la marque Waker et qui est super bonne. Voilà. Donc, j'ai pris ça en nourriture. Après, j'ai trouvé pour la patate des petites friandises comme ça. Regardez sa tête. Donc, je ne sais pas ce que c'est. C'est des naturels. Je ne sais pas du tout. Mode d'emploi. Mode d'emploi pour les friandises. Donc, ça, j'ai payé ça 99 centimes. Voilà. Donc je vais lui en donner un avant qu'elle me pète un boulon. Si j'arrive à voir le paquet. Alors en fait c'est des petites friandises comme ça. Et on dirait de la réglisse. Je sais pas ce que c'est. Ça sent la pâte à modeler, vous savez? La pâte à modeler pour les gosses. Elle sent au cas où je l'empoisonne. Donc bon, je trouve ça rigolo, j'ai dit je vais lui prendre ça. Parce qu'à chaque fois que je rentre, il faut une friandise. Après j'ai trouvé ça, donc je ne sais pas ce que ça vaut, je vais le mettre. Donc c'est pour le frigo, c'est un désodorisant pour le frigo. 50 centimes, j'ai payé ça. Donc on enlève la petite particule là. Hop, l'opercule, je voulais dire. Et donc on met ça dans le frigo, puis ça enlève les mauvaises odeurs et tout ça. Donc bon, on verra bien. Pour 50 centimes, de toute façon, je risque pas grand-chose, mais si c'est bien. J'essaie de reprendre si je retrouve. Alors, au niveau scrap, pour celle-là qui s'intéresse, il y a des gros trucs en fait de Pâques et tout ça, et ben, faut fouiller. Alors, j'ai trouvé des petits embellissements comme ça, donc c'est des petites fleurs, des petits papillons en bois avec de la mousse en fait déjà 3D dessus. J'ai payé ça 50 centimes. Voilà. Après, j'ai trouvé des petits papillons comme ça, voilà, en bois pareil, 50 centimes. Et j'ai trouvé des petites carottes à 50 centimes, 99 centimes. Alors j'ai trouvé ça rigolo pour Pâques, ça pourrait être sympa à poser sur une carte ou voilà, donc des petites carottes comme ça, j'ai trouvé ça rigolo. Et le dernier truc, je vous dis, il n'y a pas grand-chose, c'est vraiment mi haul. Donc j'ai pris ça pour Elia, j'ai trouvé ça rigolo. Donc c'est des mini gommes en fait, Hello Kitty, vous avez plein de choses Hello Kitty. Donc c'est dans une petite boîte comme ça et avec des mini gommes en fait. Donc la boîte c'est une fleur et avec des petites gommes Hello Kitty comme ça. Voilà, donc je ne me suis pas ruinée aujourd'hui, tant mieux, parce que de toute façon, je n'ai pas de sous à dépenser. Mais voilà, c'était surtout, je suis à l'action pour Pâques, parce que je me suis dit, je vais arriver au jour J, parce que Pâques, c'est le 1er avril, donc ça arrive à grands pas, et quand on veut acheter les choses de Pâques, eh bien, il n'y a plus rien. Donc là, je n'ai pas trouvé grand-chose. Ben, d'ailleurs, ce que je voulais, c'était les rayons, ils étaient presque vides. Donc là, j'aurais trouvé deux trucs, trois trucs chacun pour le moment, donc j'y retournerai. Et de toute façon, j'irai faire un tour aussi dans d'autres magasins. Et puis voilà. Donc c'était surtout pour la vidéo de ça que je voulais. Enfin, c'était surtout pour ça que je voulais vous faire la vidéo. Donc sur ce, je vous fais des gros bisous la team. Je vous dis à plus tard. Sûrement cet après-midi, j'essaierai de faire une petite vidéo. Sur quoi, je ne sais pas encore. Parce que j'en ai plein à vous faire. Je suis complètement à la bourre. Et puis voilà. Sur ce, je vous fais des gros bisous. Et scrapez bien. Salut!